Et coucou YouTube, c'est Bifam24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live et pour la suite de cette aventure sur le jeu de Palworld. N'oubliez pas, très important pour ceux qui veulent me soutenir, rien de plus simple, le petit pouce bleu de la famille, commentez, partagez, rejoignez les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la fameuse petite cloche et de désactiver Adblock. Sur ce, c'est parti, let's go, on va tout simplement et bien continuer la suite de cette aventure sur Palworld, histoire et bien d'avancer et de pouvoir finir surtout la série sur ce petit jeu qui est vraiment sympatoche. Allez, c'est parti, let's go. Ça, c'est pareil, hein. Au final, ça me sert à rien. La cage d'observation, en vrai de vrai, hein. Elle me sert strictement à rien. Je me demande si je vais pas l'enlever, hein. En vrai de vrai, je vais l'enlever, hein. Elle me sert à rien. Je l'utilise jamais. Comme ça, au moins, ça fait de la place. Et là, ce qu'on va faire, regardez. C'est pas grave, hein. On s'en fiche un petit peu. Hop là. Et là, ce que je vais faire, au pire des cas, c'est que je vais repositionner les plans de cultivation. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit bien mis. Pas trop collé non plus au mur, parce que le problème quand on colle trop au mur, c'est que certains pales ont du mal à passer et c'est une cata. Tac. Ah, les baies sont plus petites. Ok. Il manquera juste de la pierre, c'est pas si grave que ça. Tac. Ça, c'est les graines de baie. Ce que je suis en train de penser également. Le blé, on peut faire quoi avec déjà? Je m'en rappelle plus. Attendez, faut que je regarde un petit peu dans les plats. Ah, avec de la farine, on fait du pain. Ok, ok. Ah, c'est vrai. Et là, je peux faire du pain fourré aussi. Ah. Je peux également faire des pancakes. Ok. En vrai, de vrai... Ok. Et avec la laitue... Ah, il faudrait juste des tomates avec. Et si je fais ça, au fait, je pourrais faire des salades. En vrai de vrai, je pense que je vais faire des salades. Hein. Là, si je dis pas de bêtises, il y a le blé, les tomates et la laitue. Donc je vais pouvoir le faire prochainement, ce genre de plat. Ok, it's good. Là, c'en est où, là? C'en est que c'est terminé. Et je voulais justement voir ce qu'il nous fallait pour faire des lingots de paluminium. Il nous faut donc des minerais de métal et des éclats de paluminium. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la production à fond sur ça. Tac. Comme ça, au moins, ça sera fait. Je vais également faire quelque chose, parce que là, clairement, ça me va pas. Voilà, je vais remplacer ça par ça. En attendant, lui, il va faire les lingots de paluminium. Au moins, on sera littéralement tranquille. Ce que je vais lancer également en même temps, ça serait de mettre la production des sphères légendaires, sauf que il me faut des éclats de palladium. Et j'en ai plus. Donc, il va falloir que je fasse un petit tour de tout ça. C'est dans quoi déjà? Production. La carrière, elle est là. 52 pierres, 20 en bois de charpente et 10 éclats de palladium. Ok. 52 pierres. Alors attendez, je vais prendre ça tout de suite. Tac. Là, il m'en faut... je crois que c'était une dizaine de bois, non? Attendez, je sais plus. Non, une vingtaine de bois et 10 éclats de palladium, ok. 10 éclats de palladium. Et une vingtaine de bois. Tac. Et là, ce que je vais faire également, du coup, c'est aller dans la technologie. Et on va débloquer la mine de charbon. Tac. Et là, la mine de charbon, il nous faudra 72 pierres. 100 de charbon et 30 éclats de palladium.
Alors attends. Ça me l'a mis dans quoi déjà ça? Ah, ça le met là aussi directement dans la production. Bah, ce qui est logique au final. Ok. Tac. Là il va me falloir 100 de charbon on a dit. Tac. Et ensuite 70 de pierre je crois. Tac. Ah, I do it. Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Exactement. Pareil le cuivre j'hésite à le faire aussi en vrai de vrai. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais m'éloigner de ça. Faut pas que je pète les points de respawn des ressources de minerai. Et là maintenant on va faire ceci. Alors Ah attends. Là ça fait bien partie de la zone, on est d'accord, ouais c'est la zone c'est bon. Si je le mets comme ça, vous pensez que ça gênerait pas? Non, ça va pas gêner, je pense. Hein. Dans le sens où le pal, par exemple, il va se bloquer dans le mur ou je ne sais quoi, tu vois. Je pense pas. Hein. Tac, je pense pas que ça va gêner là. Bah, surtout la mine de charbon, en fait, moi je l'avais pas débloqué à l'époque. Je l'avais pas. C'est pour ça que j'ai jamais fait. Sauf que là, vu qu'on a rush les levels, en vrai de vrai, là maintenant, la mine de charbon. C'est pas de refus. Hein. Par contre le bronze, enfin le cuivre, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Hein. Parce que le cuivre, à part faire ce que je pense, c'est-à-dire de faire les gros trucs de stockage, je vois pas à quoi ça va servir. Hein. Ils l'ont rajouté à la dernière mage. Ouais. Mais même quand ils l'ont ajouté, j'avais pas le niveau à l'époque pour le débloquer. Je pense que je vais faire un système, attendez. Oui mais non. Non Mifa. Parce que le problème, c'est qu'après il va falloir que j'aille ici, prendre les minerais, partir là-bas. Ah non, ça va être une perte de temps. Ouais, non. Non, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser ici. Le pal viendra récupérer les ressources et il posera directement au stockage. Ah, attendez, je vais voir un truc. Et les minerais vont pas tomber sur la droite en contrebas de la colline, j'espère. Non. Non, il n'y a aucun problème. Non, ça marche plutôt bien même. J'avais peur que ça tombe mais non ça va. Ouais parce que les mineries on les voit ils sont sur le truc là, ils tombent pas. Parfait ça. Ouais mais les coffres à côté le problème c'est que après moi je vais devoir venir ici et aller jusqu'à là-bas et c'est une perte de temps. Donc non en fait je vais pas le faire. J'ai mes pales qui sont là pour récupérer et poser directement au stockage. Comme ça j'ai juste à prendre le point de TP, je récupère dans le coffre, je prends le point de TP rapidement et je repars avec. Beaucoup plus rapide. En fait, mine de rien, c'est comme ça là-bas. En fait, ça servait à rien la construction que j'ai faite. Hein. J'aurais pu laisser tout ouvert en vrai de vrai. J'aurais pu faire un système d'escalier, laisser tout ouvert et comme ça les pales ils rentrent directement à l'intérieur. Hein. Là, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais rajouter d'autres pales avec d'autres lits. On va mettre beaucoup de dictoises et ainsi ils vont récolter en masse de pierre et de charbon en même temps et de minerai de métal aussi. Là il faut bien faire attention de pas construire ici sinon ça casse le point de spawn des gisements de métal. Ah ouais d'accord, la façon de travailler des pales du camp ainsi que les autorisations interdictions vis-à-vis de chaque tâche peuvent être définies. Ah mais donc il y a bien un système. Mais qu'est-ce qu'il en raconte le mec là qui disait que... Mais n'importe quoi, mais bien sûr que si, c'est faisable. Mais ça, là, la plateforme de surveillance, ça a toujours été ça sur le jeu. Mais qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Mais c'est un débile, celui-là. Eh, ma parole, c'est un débile, hein. C'est un débile, le mec, là. Mais c'est un débile.
Qu'en fait, c'est pour retirer les tâches en question que t'as pas envie que le pal fasse. C'est bien ça, interdiction vis-à-vis de chaque tâche peuvent être définies. Oui, mais c'est ça. Bah alors, c'est possible. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, la Gertrude, la Jean-Francis? Il est con ou quoi, le mec? Bah oui, non mais c'est bien ce que je me disais, ça a toujours été. Parce que ça, je me rappelle, au tout début, quand je jouais, il y était, ce truc-là. Ah, je suis mort. Ça, je peux le positionner n'importe où, ça gênera pas. On est bien d'accord que les pales ne vont pas aller dessus. Un mec sur YouTube, quand j'avais mes idées en tête de mes bases, le mec, il expliquait un petit peu, tu sais, les bases essentielles qu'il faut avoir sur Palworld. Et les pales, surtout, à utiliser et ne pas utiliser parce qu'ils ont plusieurs compétences. Et le mec, il disait que sur le jeu, il n'y avait pas moyen de pouvoir choisir les tâches que t'as envie de mettre sur les pales. Mais n'importe quoi! N'importe quoi au final! Ben voilà, regarde! Ben voilà! Ouais, voilà, c'est ça! Ok. Ah oui, d'accord, ok. Oui, mais non. Ok, je viens de comprendre un truc. Oui, alors tu peux les mettre sur. Sur les trucs comme ça. Mais. Les tâches classiques, c'est-à-dire les minerais classiques, donc les minerais qui pop, tu... D'accord, ok, j'ai compris. Ah, d'accord, oui. Attends, type de tâche. Ah, bah si, bah si, bah si. C'est là. Et en fait, on a toujours pu, au fait. Parce que moi, depuis que le jeu il est sorti, je suis désolé, hein, mais ce truc-là, il existait déjà. Hein. Donc si, au fait, on pouvait depuis longtemps. C'est un abruti, ce mec. Et moi, comme un débile, le mec il disait qu'il avait je sais pas combien d'heures, je me suis dit, bon, ben le mec, à mon avis, il doit avoir de l'expérience, tu vois. Ah, tu parles, ouais. Au début, on pouvait pas. Ouais, mais je crois qu'après, on pouvait par la suite, non? C'est quoi déjà cette tâche-là? Je me rappelle plus. Travaux manuels, je crois, non? Travaux manuels, la main. Et ça, c'est le transport. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, ils ont bien fait au final. Parce que c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qui manquait un petit peu sur le jeu. Je vais laisser le transport, on sait jamais. Travaux manuels, je vais le laisser. Électricité, électricité, non. Comme ça, il va faire autre chose à la place. Les loop moon, hop. Ah mais ça change clairement la vie hein. Par contre le mec il faut vraiment qu'il refasse une vidéo. Parce que par contre là c'est pas qu'il s'est foutu une balle dans le pied. Mais c'est un peu le cas au final. Oh merci beaucoup de me l'avoir dit. Oh là là, ça va me changer la vie, merci beaucoup. En fait là ce que je vais faire. Attendez. Ok. Ouais. Je vais quand même le laisser du coup. Là par contre il va falloir que je mette un pal pour... Mais alors attendez parce que là ça change tout en vrai de vrai. Ça change tout. Hein. Ah ouais mais en vrai ça change tout hein, en vrai de vrai. Ça veut dire que... Vous savez dans le dernier live là, je vous l'avais dit ça. Ça je pense qu'en vrai il faut que je le mette là-bas. Là où je récolte Oui mais non. Non parce qu'après c'est un bordel, c'est à dire qu'il faut que j'aille chercher les trucs là-bas. Les transformer, les mettre dans le machin. Après revenir ici, non 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 j'ai rien dit. Non non j'ai rien dit. Non 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 c'est bon, on va laisser ça ici. Ça va être trop chiant. Non non c'est bon j'annule. J'ai pas envie en fait. Non non c'est bon. Ah ça va être un bordel monstrueux, non non c'est bon. Ça ira, merci. On va... Non, non, on va laisser ça ici. Ça va être très bien, d'accord. Bon, par contre, en vrai, je pense que les trucs là, j'aurais dû les coller vers ici, tu vois. Comme ça, j'aurais ramassé et j'aurais mis juste à côté sans me casser la tête. Bon, en vrai, en termes de distance, c'est exactement pareil. Mais je pense qu'il y a un truc plus optimisé à faire, tu vois. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Juste... Alors, attendez.
Tac. Là, on est d'accord que par contre, dans les trucs là. Ouais, non, j'ai pas. Ok, ça marche. Je regarde vite fait. Non, j'ai pas. Okay. On va faire vite fait passer la nuit là. On va aller. On va faire le petit sommeil. Il faut que j'aille de l'autre côté du coup et que je fasse ça aussi. Comme ça, je vais leur donner les tâches à faire tranquillement. Oh, ça me sauve la vie ça. Aïe 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 aïe. Vous savez même pas, en termes d'optimisation, que ça c'est la vie, tu vois. Genre, mais vraiment, c'est la vie hein, pour moi ce genre de truc. Hein. Donc là, il me faut 30 boîtes de charbon. Ouais, et 10 de pierre, ok. Donc les boîtes charpentes, c'est ici. Il m'en faut, oula, 30. On va faire comme ça. Là, par contre, ce que je comprends pas, tu vois, c'est que par exemple, on est sur PC. Pourquoi ils mettraient pas l'option aussi pour le PC? Genre, tu vois, tu prends un truc là, tu tapes le nombre et après tu le transfères directement. Certes, ils ont fait le système de machin, je suis d'accord, tu vois, mais je trouve que c'est pas tellement. Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'en vrai de vrai, vu que c'est sur console et PC en même temps, j'aurais fait les deux en même temps, tu vois. Et en plus, je sais que sur console, il y en a, ils jouent pas à la manette. Hein. Sur console, et maintenant, il y en a énormément au passage. Hein. Ils jouent clavier-souris. Je vous jure que c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui se mettent au clavier-souris sur console, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je suis toujours posé la question pourquoi ils ont fait ça, tu vois. Parce que les joueurs console, on sait très bien que la manette sur les FPS, ils ont l'aide à la visée. C'est pas que c'est ultra pété, mais c'est ultra pété quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a ça, 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 ça. Ok, ok, ok. Ouais, PC avec une manette, ça me choque pas, tu vois. Mais ce qui me choque en fait, c'est les mecs qui jouent clavier souris sur console. Alors qu'on sait tous très bien que la manette, l'aide à la vidéo sur console est ultra pétée, tu vois. Dès qu'il y a un raid, par contre, il faudra que je, faut que je vienne et que je les aide. Hein, parce que sinon, ils vont se faire détruire. Hein. Pourquoi j'ai mis Robin Kill? Pourquoi j'ai mis Robin Kill? Pourquoi? Je comprends pas. Ah, attendez. Je sais même plus pourquoi j'avais mis Robin Kill à l'époque. C'est la question que je me pose là. En fait, Robin Kill, ça sert à rien de la mettre là-dedans parce que là, j'en ai un de niveau 3, tu vois. Je vais l'enlever, hein. J'en ai un de niveau 3. En fait, elle va juste me servir à ramasser les objets, hein. Vas-y, je vais laisser comme ça. Là, je crois que là-bas j'avais mis un coin juste de ça pour leur donner de la nourriture en fait. Mais il faudrait que je fasse un truc un peu plus opti au niveau de la nourriture pour eux. Mais je crois que j'avais fait exprès de faire ça. Attendez, je regarde un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, pareil, faut que je regarde maintenant en termes de pales quel est le mieux pour les trucs là. Parce que maintenant qu'il y a ça, et maintenant que tu m'as montré le système, bah, en fait il va y avoir beaucoup de changements là. Par contre, là, la question que je me pose, c'est pourquoi il récolte pas? J'ai désactivé la personne qui devait récolter? Attendez, je vais aller voir ça tout de suite. J'ai désactivé la personne qui récolte ça? Je comprends pas. Bah non, c'est bien ça la récolte. Ça fait plantation et récolte en même temps, non? Je suis con ou comment ça se passe là? Ah non, c'est pas travaux manuels pour récolter? Bah non. Non, c'est la feuille. Ouais, on est bien d'accord. Bah pourquoi elle le fait pas? Bah alors?
Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi elle le fait pas? Je comprends pas. Pourtant ça y est. Merci beaucoup les amis pour le 5ème pouce bleu. Ah c'est ça. Oui exact, t'as raison. C'est ça là. C'est cette feuille là. Et non la graine. Ok ok. Ouais. Ouais ça je sais. Il va falloir que je m'en occupe aussi. C'est pour ça il va falloir vraiment que je vous regarde tout en détail. Parce que là il y a tellement de choses. Parce que là mine de rien là le truc que tu m'as fait voir, j'avais complètement zappé. Et en plus j'arrêtais pas d'en parler la dernière fois en disant ouais c'est bizarre qu'il fasse pas ça. Peut-être que c'est voulu par le dev du jeu tu vois. Au final non pas du tout. Mais là du coup il va falloir que je regarde tout ça. Mais vraiment tout de A à Z. Et regardez aussi s'il n'y a pas de meilleurs objets. Parce que regardez, je sais pas si vous vous rappelez, mais là ces trucs là en fait ça permet de booster ça aussi. Et je pense qu'il faut que je regarde un petit peu s'il n'y a pas des améliorations en termes de ça tu vois. Ouais parce que du coup Anubis, ouais d'accord en fait j'ai compris. Anubis au fait tu lui retires certains trucs. Ouais mais c'est ça au fait au final. Tu lui retires certaines tâches. Et Anubis au fait il va me servir à faire des trucs Ah ouais non mais en fait c'est une dinguerie. En vrai de vrai. Bon on va s'occuper de ça plus tard hein. Mais entre vous et moi hein, pour moi ce jeu Alors attention c'est un jeu qui a un accès anticipé. Il n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en vrai de vrai hein, je préfère 10 fois ce jeu là que Pokémon hein. Pourquoi? Parce que tu es sur une carte où tu peux faire de l'exploration comme tu en as envie. Et l'épal te sert à faire différentes tâches. Et en plus de ça, pour une fois, on peut jouer avec des amis ensemble en faisant les objectifs ensemble. Donc tu vois, c'est un peu comme le jeu Dinkum. Dinkum, c'est un jeu un peu à la Animal Crossing. Mais encore une nouvelle fois, un truc sur Animal Crossing qu'on ne peut pas faire, c'est jouer tous ensemble dans la même partie en faisant les choses tous ensemble de A à Z. Mais sur Dinkum, tu peux le faire aussi, tu vois. Et c'est des jeux, pour moi, ils sont largement mieux que... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, voilà. C'est mon avis personnel après. Hein. Attendez, parce que là maintenant. Et attends. Parce que là, il y a trop de changements sur le jeu. En fait, je me rends compte que ce jeu, en termes de développement, je le dis, je le redis, parce que j'ai pas honte de le dire. Parce qu'il faut être sincère, il faut dire la réalité. Mais ce jeu, ils optimisent le jeu en termes graphiques, en termes de fluidité, mais ils rajoutent également du contenu. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. Donc là, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de système en soi pour farmer le Palladium. Enfin, les éclats de Palladium. Là, il y a la carrière de cuivre, on est bien d'accord. Attendez, je vais tout re-regarder de A à Z. Oh, je suis passé à tellement... Ah non, mais en fait, je suis passé à côté de tellement de choses. Oh, yo, yo. Là, il y a des armures que il faut que je débloque plus tard. Hein. Vous inquiétez pas. On fera ça après. La fontaine, elle sert à quoi? À accroître la vitesse de travail. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que par exemple, ça s'accumule? Par exemple, la fontaine, vu que ça accroît la vitesse de travail, est-ce que ça s'accumule avec l'autre objet qui permet aussi d'accroître la vitesse de travail? Ça, c'est la question que je me pose. Je pense que oui, du coup. Oui, je pense. Ok. Donc là, on est bien d'accord que pour l'instant, de ce que je vois, il n'y a pas de choses qui permet de farmer l'éclat de Palladium, quoi. On est bien d'accord. Il n'y a pas un petit truc, quoi. Après, peut-être que c'est par la suite, mais du coup, je l'ai pas pour l'instant. Peut-être. Parce que là, je vois qu'il y a la pompe de pétrole, tu vois, qui va arriver par la suite. Il y a les destructeurs de pales.
Broyeur à glace, tout ça, bon, ah, je suis en train de me spoil, il faut pas que je regarde. Ah, la mine de soufre aussi. Ouais, mais alors attends, parce qu'il y a pratiquement tout, sauf le... sauf un système de mine à éclat de palladium. Enfin... ah ouais, vraiment? En fait, il y a tout sauf ça. Attends, je re-regarde une dernière fois, peut-être que je passe à côté, tu vois. Mais j'ai pas l'impression, hein. Ouais, non. Non, non. Ok. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Ok, ok. C'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir là-bas, on va récupérer le reste de la pierre, et on va eh bien, commencer à s'occuper de tout ça, là. Ah, la travaux manuel niveau 4. Donc il est encore mieux que les Loop Moon, à première vue, je pense. On va regarder ça juste après. J'ai quand même un doute. Transport niveau 3 avec lui aussi. Pharmacie de niveau 3 avec elle. Ok. Abattage niveau 2. Bon, ça on s'en fiche un petit peu. Transport niveau 4. Ah, donc c'est ce que tu me disais. Le Wampo Botan. Et je vous rappelle que le Wampo Botan, j'en ai que un pour l'instant. Mais bah du coup, en vrai de vrai... attends, il a quoi d'autre? Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, après il a pas ce que je pense, mais... alors si, attendez. Eh, bougez pas, on va faire ça tout de suite, hein. Gestionnaire. Et en vrai de vrai, bah toi je vais t'enlever, hein. Et on va prendre le Botan, hein. Bah direct, hein, en vrai de vrai. Oh, parce que c'est la tête, hein. Pourquoi est-ce que c'est la tête alors qu'il y a plus simple? Non mais attends, là ça veut dire que... non, 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 non. Eh là, eh, je suis désolé, mais on va faire ça en 2-2. Je vais aller capturer des... je vais les capturer tout de suite là, ce genre de pôle là. Obligé, hein. Non mais là c'est trop petit ça. Ça c'est vachement petit de ouf, hein. Donc là par exemple je vais quand même laisser ouais non, 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 je retire ce que je viens de dire, non en fait. Non, je vais juste lui mettre transport de niveau 4, c'est tout. Parce que là du coup en fait il va partir directement chercher les objets, hein. Il va faire que ça. Avec la taille qu'il a, il va vachement vite au fait. Oui, c'est vrai, en les mettant dans la ferme, ça permet au fait de récolter des organes d'allumage. Je crois que c'était ça, non? Oui, c'est ça, affecté dans une ferme pour produire un organe d'allumage. Oui, ça y est, ça me revient. Et ça, c'est pour faire des fuites de pales. En fait, ça permet en quelque sorte de pas sacrifier les pales et vraiment d'utiliser les pales en question pour obtenir les trucs en question, notamment les fluides, là, les organes d'allumage. Après, t'as les organes d'électrique, etc., etc. Oui, effectivement, ça, je me rappelle. Ah, du tissu de qualité directement. Ah ouais. Ok. Je regarde un petit peu les stats sur les palmes. Ah, battage niveau 3. Hein. Ah ouais, j'avais complètement zappé ça. Ouais. Donc là, si je comprends bien, dans tous les pales que j'ai pour l'instant, en termes d'extraction, j'ai pas meilleur. Pour le moment, hein, pour le moment, attention. Des pales que j'ai, moi en tout cas, hein, j'ai pas meilleur. J'imagine qu'il y a sûrement meilleur parce qu'on voit quand même qu'il y a des niveaux 4. Et pour l'instant, moi j'y suis pas. Ouais, j'ai pas. Là, je regarde quand même ceux-là. Non. Ah mince. Je crois que j'ai pas pour l'instant. Ouais, il y a mieux, ça c'est sûr. Il me tarde de les avoir. Ça c'est pareil, tu vois, je crois que on est bien d'accord que pour l'instant ça y est pas, mais au fait, dans leur système de Palpedia, en fait, il faudrait qu'ils rajoutent d'autres fonctionnalités. Des trucs très simples, genre une barre de recherche déjà pour commencer. Ensuite les ranger par thème, ce serait beaucoup plus pratique.
un petit onglet, tu vois, par thème. Par exemple, herbe, noms élémentaires, électricité, feu, etc. Et ensuite, il faudrait un autre truc. Un onglet où tu puisses classer, par exemple, abattage du level le plus élevé au level le moins élevé, tu vois, par exemple. Extraction, collecte, etc., etc. En fait, il faudrait qu'ils rajoutent un système comme ça. En vrai, s'ils font ça, je vous assure que c'est une dinguerie. Salut Kira, comment vas-tu? Ah ouais, mais tout le monde me dit. Bah ouais, Poupou, tu me l'avais dit à l'époque que t'en prenais. Je vais tester, je vais voir. Parce qu'il paraît que la caféine, c'est du cristallisé. Donc le cristallisé, au fait, c'est une caféine qui est meilleure, en fait. Donc c'est pour ça que je veux tester la boisson énergisante. Et non les autres trucs qu'ils ont à côté, tu vois, ils ont d'autres trucs, mais moi c'est ça qui m'intéressait. J'arrête, parce que ces prochaines attaques, voilà, je m'en doutais. Je me suis trompé de sœur de pâle. Non, Mipha, tu lances à côté, Mipha. Pourquoi tu fais ça, Mipha? Pourquoi tu fais ça, Mipha, sans déconner? T'as pas le droit de faire ça, Mipha. Bon, ça va que j'ai capturé du premier coup, mais j'ai pas le droit de faire ça. Ouais, mais moi j'ai jamais testé, hein. Je vous cache pas, j'ai jamais testé. C'est un truc que j'ai entendu énormément parler, mais j'ai jamais testé. Et je vais voir si c'est vrai, donc au fait, je vais tester moi-même. Et si c'est vraiment le cas, je vais essayer de voir avec eux, tu vois, par rapport à autre chose. Mais je veux tester avant, sans qu'ils me fournissent quoi que ce soit. Je veux tester avant. Comme ça, j'aurai un avis neutre. Et si ça marche vraiment, je vais essayer de voir avec eux s'il n'y a pas moyen de... Voilà, hein. Je pense que vous avez compris. Pareil, après, il y a des trucs comme ça où j'ai le droit chez... Dans peu de temps, je crois, sur YouTube, je vais peut-être débloquer des partenaires sur plein de trucs. Et c'est des partenaires que moi j'ai déjà testé qui sont bien, tu vois. Donc pareil, j'attends d'avoir le nombre qu'il faut et je vais voir avec eux. Moi je vous le dis, hein, jamais vous verrez un partenariat avec quelque chose qui vaut pas le coup. Je préfère vous le dire. Hein. Jamais je vendrai mon âme. Hein. Quand je vois certains qui conseillent des PC portables gamers, alors qu'ils sont soi-disant gamers, eh ben ça me fait mal au cul de voir ça. Hein. Ah moi je vous le dis, hein, ça fait mal au cul. Ah il y en a, ils vendent vraiment leurs âmes, hein, genre... Ah ils ont fait un pacte avec le diable, hein, faut sûr. Ah ils sont capables de vendre leur communauté pour leur faire vendre de la merde, quoi. Ah ils ont pas honte. Hein. Ouais. Ils arrivent à se regarder dans une glace en plus, hein, c'est ça le pire. Hein. Attends, parce que là... Oh, ouais mais là il va y avoir pas mal de changements. Parce qu'en fait là, lui il me sert plus à rien. Parce que lui il est de niveau 3 sur le terme d'électricité. Non mais attendez, mais... Ouais. Ah c'est une dinguerie par contre, il y a plein de modifs à faire là. Ah bah là du coup je vais te remettre en termes d'électricité clairement. Le reste je vais quand même te laisser parce que t'as quand même des bonnes stats. Je me dis que bah tu peux faire les trucs en même temps hein, du coup ça me gênera pas. Mais bah du coup toi je vais t'enlever. Clairement. Et ensuite, toi, je vais te mettre. Comme ça, tu vas fondre les trucs en même temps. Mais là, du coup... Ah ouais, non, il y a tellement de trucs à faire. Bah lui, je vais pas l'enlever parce qu'au fait, j'ai que un botane de type herbe. Donc ça sert à rien. Et il est dans l'autre base. Donc il faudrait que j'en capture d'autres pour pouvoir mettre le truc en question. Ok, bah on va faire ça, je pense. Par contre, on est bien d'accord que... Oui, mais c'est même sûr. Ceux qui transportent, ils peuvent prendre les trucs qui sont là pour les mettre dans les trucs là, on est bien d'accord. Parce que s'ils le prennent dans les fermes, mais également dans les trucs de carrière, logiquement ils sont censés prendre aussi les ressources qui sont là-dedans. Il y en a, ils ont vraiment de la chance, hein, vraiment, notre Jack. Hein. Genre un petit jacuzzi là au calme. Ah ouais, on se met bien, hein, petit coquin. Hein. Voilà, c'est comme d'hab, hein, tout ce qu'on ramasse, etc., etc. On a juste à refaire. Alors, encore une fois. Ah, attendez. Autoriser le transport par les pales. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ok. Et là, il faut que je fasse lancer et ensuite, ça sera transporté avec les pales en question qui va reprendre et il va les remettre. C'est bien ce que je pensais. Ok. C'est moi, au fait, qui activais pas l'option avant.
Là pareil, il est en train de partir un petit peu dans tous les sens. Là il est en train de manger en même temps, je sais pas quoi. Ah lui par contre il est carrément sur le truc lui. Il était carrément sur le truc en train de donner de l'électricité quoi. C'est un peu bizarre quand même. Aïe aïe aïe. Eh bien écoutez, ça avance plutôt bien, ça fait plaisir. Ouais ouais ouais. Eh bien écoutez moi les amis, sur ce je vais vous laisser là dessus. En tout cas merci à tous ceux qui sont passés durant le live, ça fait extrêmement plaisir. Je vous retrouverai ce soir sûrement pour un nouveau live. On ira sûrement sur un autre jeu tranquillement. Et puis voilà, en tout cas merci à tous ceux qui sont passés, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, très important pour ceux qui regardent la série, le petit pouce bleu de la famille qui fait extrêmement plaisir. Commentez pour dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. De désactiver Adblock et d'activer la petite cloche. Ça vous permet d'avoir une notification en temps réel lorsque j'upload une vidéo ou lorsque je suis en live, voire même lorsque je mets un petit post sur la communauté. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde! Oh.